Je préfère vous prouver ma sincérité, vous faire connaître mon opinion dès le début, en confessant que la cathédrale d'Amiens n'a pas attiré vanité de ses tours, que sa flèche centrale est simplement le joli caprice d'un charpentier de village, que son ensemble architectural est en noblesse, inférieur à Chartres, en sublimité à Beauvais, en splendeur décorative à Reims et à Bourges pour la grâce des figures sculptées. Elle n'a rien qui ressemble aux jointements et aux moulures si habiles des arcades de Salisbury. Rien de la puissance de Durham. Elle ne possède ni les incrustations dédaliennes de Florence, ni l'éclat de fantaisie symbolique de Vérone, et pourtant, dans l'ensemble, et plus que celle-ci, dépassée par elle en éclat et en puissance, la cathédrale d'Amiens mérite le nom qui lui est donné par M. Viollet-le-Duc, le Parthénon de l'architecture gothique. Gothique, vous entendez, gothique dégagé de toute tradition romane et de toute influence arabe, gothique pur, exemplaire, insurpassable et incritiquable, ses principes propres de construction étant une fois compris et admis. Le but d'un bon architecte gothique était d'élever, avec la pierre extraite du lieu où il avait à bâtir, un édifice aussi haut et aussi spacieux que possible, donnant à l'œil l'impression de la solidité que le raisonnement et le calcul garantissaient. Tout cela sans y passer un temps trop prolongé et fatigant et sans dépenses excessives et accablantes de travail humain. Il ne désirait pas épuiser pour l'orgueil d'une cité les énergies d'une génération ou les ressources d'un royaume. Il bâtit pour Amiens, avec les forces et les finances d'Amiens, avec la chaux des rochers de la Somme et sous la direction successive de deux évêques. L'un présida aux fondations de l'édifice, l'autre y rendit grâce pour son achèvement. C'était un principe universellement reçu par les architectes français des grandes époques d'employer les pierres de leur carrière telles qu'elles gisaient dans leur lit. Si les gisements étaient épais, les pierres étaient employées dans leur pleine épaisseur. S'ils étaient minces, dans leur minceur inévitable et ajustés avec une merveilleuse entente de leur ligne de poussée, de leur centre de gravité. Les blocs naturels n'étaient jamais sciés, mais seulement ébousinés pour s'adapter exactement. Toute la force native et la cristallisation de la pierre étant ainsi gardée intacte. Ne dédoublant jamais une pierre, cette méthode est excellente, elle conserve à la pierre toute sa force naturelle, tous ses moyens de résistance. Aujourd'hui encore, il y a en France 70 départements dans lesquels l'usage de la scie au grès est inconnu. Son but d'artiste ainsi que pour tous les architectes sacrés de son époque dans le Nord était d'admettre autant de lumière dans l'édifice que cela était compatible avec sa solidité, de rendre sa structure sensible à la raison et magnifique, mais non pas singulière ni à effet, et d'ajouter encore à la puissance de cette structure à l'aide d'ornements suffisants à l'embellir, sans toutefois se laisser aller dans un enthousiasme déréglé à en exagérer la richesse ou dans un moment d'insolente ivresse ou d'égoïsme à faire montre de son habileté. Et enfin, il voulait faire de la sculpture de ses murs et de ses portes un alphabet et un épitomé de la religion, dont la connaissance et l'inspiration permit de rendre en dedans de ses portes un culte acceptable au Seigneur, dont la crainte était dans son saint temple et dont le trône était dans le ciel. Il faut se souvenir, et ceci est un point théologique sur lequel repose beaucoup du développement architectural des basiliques du Nord, que la partie de l'édifice dans laquelle on croyait que la présence divine était constante, comme dans le Saint des Saints juifs, était seulement le cœur clos, devant lequel les bas-côtés et les transepts pouvaient devenir le lit de justice du roi comme dans la salle du trône du Christ, et dont le maître-autel était protégé toujours des bas-côtés qui l'entouraient à l'est par une clôture du travail d'ouvrier le plus fini, tandis que de ses bas-côtés rayonnait une suite de chapelles ou de cellules, chacune dédiée à un saint particulier. Quoi que vous vouliez voir à Amiens, ou soyez forcé de laisser de côté sans l'avoir vu,
si les écrasantes responsabilités de votre existence et la locomotion précipitée qu'elle nécessite inévitablement vous laissaient seulement un quart d'heure sans être hors d'haleine pour la contemplation de la capitale de Picardie, donnez-le entièrement au cœur de la cathédrale. Les bas-côtés et les porches, les fenêtres en ogive et les roses, vous pouvez les voir ailleurs aussi bien qu'ici, mais un tel ouvrage de menuiserie, vous ne le pouvez pas. C'est du flamboyant dans son plein développement, juste au moment où le 15e siècle vient de finir. Cela a quelque chose de la lourdeur flamande mêlée à la plaisante flamme française. C'est en bois doux, est un jeune grain du chêne traité et choisi pour un tel travail et qui résonne encore comme il y a 400 ans. Sous la main du sculpteur, il semble se modeler comme de l'argile, se plier comme de la soie, pousser comme de vivantes branches, jaillir comme une vivante flamme. Les dais couronnant les dais, les clochetons jaillissant des clochetons, ça s'élance et s'entrelace en une clairière enchantée, inextricable, impérissable, plus pleine de feuillage qu'aucune forêt et plus pleine d'histoire qu'aucun livre. Cette conception du Christ dans la société de ses saints, la chapelle la plus à l'est de toutes étant celle consacrée à la Vierge, se trouvait à la base de la disposition entière de l'abside avec ses supports et ses séparations d'arc-boutants et de trumeaux. Et les formes architecturales ne pourront jamais vraiment nous ravir si nous ne sommes pas en sympathie avec les conceptions spirituelles d'où elles sont sorties. Nous parlons follement et misérablement de symboles et d'allégories. Dans la vieille architecture chrétienne, toutes les parties de l'édifice doivent être lues à la lettre. La cathédrale est pour ses constructeurs la maison de Dieu. Elle est entourée comme celle d'un roi terrestre de logements moindres pour ses serviteurs. Et les glorieuses sculptures du cœur, celles de son enceinte extérieure et à l'intérieur, celles de ses boiseries que presque instinctivement un curé anglais croirait destinées à la glorification de ses chanoines, était en réalité la manière du charpentier amiénois de rendre à son maître charpentier la maison confortable, et non moins de montrer son talent natif et sans rival de charpentier devant Dieu et les hommes. Durant le premier quart d'heure, ne voyez que ce que votre fantaisie vous conseillera, mais du moins, comme je vous l'ai dit, regardez l'abside de la nef et toutes les parties transversales de l'édifice en partant de son centre. Alors, vous saurez, quand vous retournerez dehors, dans quel but a travaillé l'architecte et ce que ses contreforts et le réseau de ses verreries signifient. Car il faut toujours se représenter l'extérieur d'une cathédrale française, excepté sa sculpture, comme l'envers d'une étoffe qui vous aide à comprendre comment les fils produisent le dessin tissé ou brodé du dessus. Si vous ne vous sentez pas pris d'admiration pour ce cœur et le cercle de lumière qui l'entoure, quand vous levez les regards vers lui du milieu de la croix, vous n'avez pas besoin de continuer à voyager à la recherche de cathédrales. La salle d'attente de n'importe quelle station est un endroit bien mieux fait pour vous.